Salut les amis et bienvenue sur la suite, donc la seconde partie de ce 21e épisode. Là je regarde Link depuis tout à l'heure mais il se fait chier Link, mais c'est incroyable, incroyable, regardez. Wow, il se dépêche Léo, là j'en ai ras le cul moi de me dandiner ici sur place. Non ça on regarde, allez on continue. Alors on avait fait la moitié de ce donjon, hein. Et on va le terminer tout simplement. Alors, hop, on va se faire l'eau, la salle de l'eau, comme vous avez pu le voir elle est encore active. On va commencer par elle. Tchac. Puis après pour le reste on va voir. Alors, la salle de l'eau. Alors la salle de l'eau c'est ballot, mais il va me falloir... C'est une rime très très drôle. La salle de l'eau c'est ballot, en effet, puisque je vais avoir besoin d'un flacon. Donc voilà, hein, je libère une fée pour rien. Génial. Link est toujours aussi émerveillé quand il y a une fée qui tourne autour de lui. Alors, j'ai dit, je libère une fée. Voilà, c'est bien Link, tu es un champion du monde. Voilà, ça c'est pas mal aussi. Ça c'est pas mal non plus. Ça ouvre la porte. C'est plutôt pas mal. Là il y a un coffre, je sais même pas s'il faut le prendre. Je crois que c'est des pièges. Non, j'en suis même... Je crois pas, j'en suis sûr. Ce sont des pièges, les deux coffres. Donc, vous brûlez le rouge avec le feu bleu. Et le truc à ne pas faire, enfin à faire surtout, c'est de retourner vous servir. Et oui. Sinon vous l'aurez dans l'os, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, vous retournez vous servir pour continuer l'énigme. Donc la salle pour moi est celle qui est techniquement la plus difficile, avec une énigme de haut niveau intellectuel. Pour moi cette salle est la plus dure. Alors comment parvient-on à faire cette salle? Je vais vous l'expliquer mes amis. Vous bougez ce bloc ici et celui-ci là. C'était pas magnifique. Ensuite, vous allez chercher ce jar. Bon, ça, c'est pas essentiel, mais il y a une fée dedans, en fait. Je sais pas si vous avez vu. Hein. Il y a une fée. Normalement, ça vous permet d'avoir une fée en stock, si vous avez besoin. Et ensuite, vous poussez ça comme ceci. Et ensuite, comme ceci. Et la fée s'est barrée, hein, normal. Elle a vu que je m'occupais pas d'elle. Elle s'est tirée, la fourbe. Et voilà, ça vous permet d'accéder en haut, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, tout simplement. Ça nous permet donc de monter en haut. Monter en haut, ça ne se dit pas, c'est un pléonasme. Bref. Voilà. Je termine sur cet élan de commentaires. Et je fais brûler la paroi. Enfin, ça brûle, hein. C'est moi que ça brûle. J'ai eu peur. Pardon, j'ai le hoquet. Donc voilà, vous faites brûler la paroi, tout simplement. Et... Ouf! Au revoir! On a terminé. It is finished. It is finished for real. It is finished for real. Totally. Excusez-moi, hein, c'est mes grandes heures d'anglais. Voilà, c'est terminé. Alors, ensuite... Pouf! Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre la flèche de lumière, hein, tout à fait. On se recharge en cœur, en magie, sur les côtés, toujours, toujours, hein, ne les ratez jamais, ça peut être utile, ça ne peut être qu'utile, pardon, et voilà, et puis vous, bah vous strikez, comme d'hab. Voilà, fin de la salle de l'eau, qui était en soi difficile, mais que j'ai torché super rapidement parce que je la connaissais bien. Franchement, l'énigme m'a fait plancher, les blocs m'ont fait vraiment galérer, je dirais une bonne dizaine de minutes. Ce qui est exceptionnel pour une énigme avec deux blocs. Hein. Mais honnêtement, une fois que vous l'avez quoi, donc c'est bon. Peut-être pas une dizaine de minutes, peut-être j'ai dû faire 3 chronos, donc 6 minutes max. Mais bon, c'était quand même chaud, et là c'est bon, ça va, je sais faire, c'est bon, je suis content. Voilà, donc l'eau, bah l'eau c'est terminé, hein, il n'y a plus de rayon avec l'eau. Il nous reste, quels éléments il nous reste? Je sais pas. Je crois qu'il nous reste le feu on a fait, l'air, la forêt on a fait, l'eau on a fait. Les ténèbres on a fait, la lumière on a fait. Ouais. Attendez. Comment on les a quasiment tous là en fait? Qu'est-ce qui nous manque? Je suis même pas au courant moi. Mais bon, il en manque un, c'est sûr, mais alors lequel? Je peux pas vous le dire. Alors la ligne, vraiment, je suis dépité des... Ah non, reste deux, d'accord. Ah non, la forêt, on l'a pas fait. Et celui-là, qui est... L'esprit, on l'a pas fait, d'accord. C'est bon, I know maintenant.
Hop, hop, hop. Je préfère. Alors, vous remarquerez donc, bon, là, aucune difficulté, hein. Regardez, vous arrivez, vous faites ça. Premièrement. Ensuite, ça, deuxièmement. Aïe! Mais pas... Ça, c'est un con... Ah, ça, c'est un poil chouchi agneau complexe. Faut aimer. Une énigme un poil complexe. Parce qu'en fait, disons que ce machin va vous saouler si vous le rentrez pas. Moi, j'ai tendance à le rentrer. Donc là, hein, on va le rentrer, tout simplement. Allez, on se motive. Voilà. Reste dans ton coin. Toi, bon, on va faire pareil, hein. Alors, Link, on sent, mais il est vraiment flemmard. Hein. Je pense qu'il nous fait le Link, mais il en a marre. Voilà, ça c'est pas mal. Non, pas du tout ce que l'effet désiré. Je préfère le... Oh là 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 là, ce que je prends dans la tête, moi. Voilà, c'est mieux. Donc là, bah là, on peut pas le ranger, celui-là, hein. Hop. Il y a bien ce cristal qui se chope pas trop difficilement. Oh, génial, j'ai pas pris de dégâts. Et le cœur, bah le cœur laisse tomber, ça sert à rien. Hé PGM Link. Et voilà. Hein, il reste un truc. Putain, je m'en doutais pas. Ça c'est bien. Je fais des moulinets monstrueux avec mon arme. Et alors, donc il faut faire un across the... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? What I have done. Ah oui, d'accord. D'accord. C'est du sadisme. Heureusement qu'il y a ce petit coffre avec des missiles, parce que sinon, bonne chance pour deviner, hein. Je vous le dis, moi, bonne chance. Sincèrement, du fond du cœur, bonne chance. Ah. 3, 4. Du moins que j'ai bien visé. Oh, dans le mille. Dans le mille. Magnifique. Franchement, magnifique. Je suis assez fier de moi. Et on continue. Alors ici. Bon bah ici. Ouh ici. Je me souviens d'ici. C'est génial. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on doit récupérer? D'abord, on me souvient qu'il fallait utiliser une flèche de lumière quelque part pour bah, justement débloquer l'entrée si je peux me permettre. Ah non, flèche de feu, pardon, lumière ça sert à rien ici. Donc c'est un peu, vous vous souvenez, hein, c'est... Bah, dans l'arbre Mojo, il y avait ça, il y avait des toiles d'araignée et ça se brûlait avec du feu. Bah là, c'est pareil. Oh, la lumière apparaît. Et alors là, mais fou, ouah, franchement, ouah. Franchement, du fond du cœur, ouah. Donc au début, vous êtes là, oh bah, il y a 4 soleils, on va les faire un par un. Vous avez raison, c'est ce qu'il faut faire. Faut les faire un par un. Mais si vous activez le mauvais... Je vous conseille de ne pas rester sur place, à moins que vous ayez envie de vous faire attraper par la chose qui vole. Parce que si elle vous chope, mais vous retournez au début du donjon, et ça fout vraiment les boules. Voilà. C'est mon petit coup de gueule. Non. Tout comme ça. Hé, Link, tu me fais quoi, là? Eh ben, c'est le bon. Donc les deux autres auraient fait apparaître une créature qui aurait voulu vous attraper. Je me suis fait avoir une fois, bien sûr, comme tout le monde, hein. Sincèrement, c'est chiant, plus qu'autre chose. Mais bon, après, vous retournez dans la salle, puis vous finissez l'énigme, en sachant que ça risque de vous tomber dessus. Voilà. On a terminé cette salle. Hop. Allez, un petit headshot. Headshot.
Magique, c'est magique. Allez, ça c'est bon. Il nous reste une salle à faire. Merci, le temple de l'esprit. La barrière de l'esprit est dissipée. Vite, gamin. Ok, d'accord, j'ai compris. Goodbye. Ok, d'accord, j'ai compris. Non, sans rire. Ça, c'est fait. Et maintenant, the final room, si on peut dire. Hein. J'ai nommé... Attention, 3-4. Je vais finir sur la forêt, tiens, je crois. D'accord, je finis sur la forêt. Très bien. Je croyais que je l'avais fait, je me souvenais de l'avoir fait, mais en fait, pas du tout. Ah non, effectivement, je l'avais pas fait. Alors, bon, là... Vous faites... mort au loup. Ça, c'est fait. Ensuite, on switch sur le feu de Dean directement. Hein. C'est stylé de faire ça. Alors, enchaîner les trucs. Voilà, plac. On allume. C'est magique. Qu'est-ce que ça nous donne? Des rubis. Donc, c'était vraiment pour rien que j'ai fait ça, quoi. Non, mais merci. Ça me fait plaisir de faire les trucs dans le vide. C'est toujours un plaisir. Là, on va mettre les flèches de feu. Je sais pas si vous avez vu. En fait, il y a juste en haut un léger... Une légère énigme qu'on va réussir. Hein? Comment ça? Non, non, tu peux pas me faire ça. J'ai besoin de toi, moi. T'es en train d'essayer de me faire croire que là, la porte ne s'ouvre pas. C'est impossible. C'est techniquement pas possible. Peut-être qu'il faut tout avoir allumé en même temps. Pourquoi ça s'est éteint d'abord, dans un premier temps? Ah, je préfère. J'ai eu peur. Je crois que j'avais fait une erreur. C'est bon, on peut continuer. Ah, ici. Oh mon dieu, que c'est beau. Ça, c'est une salle qui va vous faire vraiment, vraiment baver. Alors... Alors, bougez pas, on va se mettre en mode de... je suis un taré, PGM over tout le monde. Donc là, là, je pense que vous avez deviné, hein. Hop, toi, et toi, comment on t'attrape? Je vous laisse comprendre par vous-même. Tiens, lui, je vais me le faire. Boum. Goodbye. Alors, en somme, on doit aller donc récupérer les bombes, ça c'est pas mal. On a celui-là qui est récupérable facilement. En fait, si vous voulez, il n'y en a qu'un qui va vous faire galérer dans toute cette zone. C'est largement celui-ci. Largement. Parce que les autres, ils font pas galérer. Ok, ça c'est bon. Aïe ! Donc moi, je pense qu'il faut se mettre un peu vers le bout. Courir. Ah non, c'est pas comme ça. Il y a obligatoirement quelque chose d'autre à faire parce que... je me souviens pas du tout comment on le fait. À mon avis, il doit y avoir un truc avec ce bouton par terre. Je suis pas sûr, hein, mais... Je vais tenter de le dire comme ça. Allez, on va tenter le bouton. Parce que je vois mal comment on pourrait choper l'autre, sinon. C'est ça, ce que je me disais. Moi, j'étais là dans ma tête, il fallait le viser le vent, mais en fait, pas du tout, que nini. C'est bon, il est pris? Génial. Magnifique, magique, parfait, tout ce que vous voulez. Hop, continue. Toi, je te chope. Toi, t'es à moi, toi. J'attends que ton ventilateur soit terminé, puis t'es à moi. Alors là, par contre, c'est une étape délicate, voilà. Et ensuite, il y a le retour. Ah non, mais le retour est facile. Bon, c'est bon, voilà, c'est fini. Dernière salle, hein. Bon, on les a fait dans le désordre, hein. Il n'y a pas vraiment d'ordre, mais bon, c'était pas la plus dure, elle était pas mal celle-là, pas trop coriace, faut pas non plus exagérer. Et voilà, on a terminé les salles, mes amis, c'est the end of the room. On n'a pas terminé non plus cet épisode parce que je vais faire la fin, alors j'ai hésité longuement, c'est... Je vais vous expliquer après, en regardant Saria et laissons-la parler. La barrière de la forêt est dissipée. Vite, Link. D'accord.
C'était chaud comme, comme épreuve quand même. Non, ça prend un peu plus. Ça prend du temps, mais de là à dire que c'est difficile, non, faut pas exagérer. Donc voilà, on a terminé toutes les barrières et The Big Méchant, bah, il fait disparaître la colonne qui l'entoure. Voilà, y a plus rien. On peut passer. C'est trop bien. Mais c'est juste trop bien. Et en plus, comme j'ai fini sur la truc de la forêt, j'ai pas trop de parcours à me taper pour passer. Ça c'est bien en plus. Voilà. Bref, passons. Ici c'est bien. Ici c'est très bien même. Comme ceci. Voilà. Alors, quoi moi devoir faire? Normalement ça j'aurais dû vous le montrer dans le même épisode que le boss final en fait. Hein. Sincèrement, la logique aurait voulu ça. Mais... je sais pas, j'en meurs pas d'envie. J'ai envie de vous laisser, mais devant la porte, quoi. Du sadisme à l'état pur, ou l'état pur, c'est pareil. Ouf, interception. Oh, des flèches, des flèches, des flèches. J'ai besoin de ça, moi. Come on. Des flèches. Où est-ce qu'elle est, la dernière? Elle est là. Voilà. Il n'y en a plus ? Il va y rester... Si, si, j'entends une chauve-souris. Si, si, il en reste. Bien sûr qu'il en reste. Là, il y en a plein, là. Ça pullule. Voilà. Magnifique. On passe. C'est la fin, là. C'est ce moment, c'est épique. On monte la tour, si vous voulez. On a fini donc les épreuves, si on peut dire. Et là, bah, c'est la montée de la tour, c'est... Tiens, couchez, toi. Voilà. Get down. Et ça nous ouvre. Magnifique, magique. Beau, parfait, excellent. Génialissime. Tac. Ok, donc là, le truc est entouré par du feu. Je pense qu'il faut se faire les stealthos. Ah, toi, t'es down. Ok, allez. Ok, c'est bon, je t'ai eu. Alors, ça devrait activer le feu. C'est bon, désactiver, je veux dire. Oui mes amis, c'est un véritable donjon, il y a même une clé d'or. Je sais, c'est incroyable. Moi aussi j'ai eu du mal à y croire, surtout qu'elle est quand même sur notre chemin, donc on peut pas vraiment la louper. Mais bon, ils ont décidé d'en mettre une, je pense que c'est aussi pour nous aider à voir quand est-ce qu'on arrive au boss. Incroyable, n'est-ce pas? Incredible, isn't it? Donc on continue, on monte. Chaque étage c'est plus d'épicité, d'épicness, vous voyez ce que je veux dire? Chaque étage nous rapproche encore plus de The End. Oula, t'énerve pas. Pas le besoin. Attends, alors par contre, contre eux, il y a un truc qui est très important. C'est de pas avoir ces bottes-là. Hein, c'est d'avoir les vraies bottes. Je préfère. Aïe. Tu fais mal. On va le laisser attaquer. Là, décidément, la pirouette arrière, ça ne marche pas pour l'esquive. Hein. Par contre, vous voyez, je prends quasiment aucun dégât grâce au nouveau cœur. Là, je suis très concentré. Là. Léo, il est très concentré, mais quand je dis très concentré, c'est... très concentré. Par contre, lui, il était pas assez concentré, sinon j'aurais pas battu. Cœur, 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 cœur. Et on se fait le deuxième, hein, le noir. Et l'argent, et maintenant on se fait le noir. Oula, oula, là, 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 là. Bon, là, il faut pas que je perde un seul cœur, comme ça, quand il me donnera ses cœurs, je serai bon. Il est doré aussi, il est pas que noir. J'aime bien ce skin, il est pas mal. C'est tendu.
prochain c'est la bonne. Voilà. Donne-moi des cœurs. Donne-moi des cœurs. Plein de cœurs. J'aime les cœurs. I love cœurs. Allez. Sans rire. C'est parfait. C'est beau, c'est magnifique, c'est magique. Sans rire, c'est juste excellent. Alors, on continue. Et oh my god, vous entendez cette musique? Attendez. Voilà, on y est. This is the point. Attendez, je fais un truc, alors je sais pas si vous le voyez, vous. Je vous mets de la musique. Je sais, on n'entend pas très bien ma voix, je m'en excuse. Voilà, voilà. Donc vous entendez, donc il y a une espèce de musique cauchemardesque qui est en train d'être jouée sous mon nez, dans mon dos. Hein. Et évidemment, je pense que ça se passe derrière cette porte. Mais je suis un sadique. Et vous verrez, c'est la suite, hein, vous verrez ce qui se trouve derrière cette porte au prochain épisode, mes amis. En attendant, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, c'est ma devise. Salut tout le monde, à la prochaine.